À 9h, on quitte Samora par le nord pour rejoindre le chemin. On va à Montamartin, donc une vingtaine de kilomètres à faire aujourd'hui, 1er mai. Il fait beau et à faire chaud. Voilà, on a quitté les zones urbanisées et on retrouve nos zones agricoles de seigle, avoine, vignes du blé. Et les parcelles qui sont encore nues, qui sont labourées, ben, ça va être du tournesol. C'est ce que nous a dit hier un agriculteur hier, qui mettait du tournesol dans les jours qui viennent, sur toutes les parcelles qui sont labouré, préparé. À 10h40, en route vers Montamartin. Une Via de la Plata fidèle à elle-même, les grandes lignes droites, au milieu des champs de blé et autres, style effectivement Meseta. Des gens hier, quelqu'un disait que ça ressemble à la Meseta, et oui, effectivement. Les terres agricoles et des longues lignes droites caractéristiques de la Meseta. Mais on n'en est pas si loin, parce que dans 5-6 jours, on est à la fin de la Meseta, à Astorga. Donc là, on emprunte une des nombreuses passerelles sur la ligne grande vitesse espagnole. Donc, à plusieurs reprises, le chemin va être détourné pour passer sur cette passerelle. Hola. Bon, gracias. Hay albergues. Me ha dicho un chico. Hay albergues en el camino del norte donde también dan la camita amarilla. ¿Cómo se llama? Luis. Luis. Ah, Emmanuel. Emmanuel. Luis y Manuel. Okay. Monica y Cristian. Bonita, enchanté. Enchanté. Encantada. Encantado. Encantado, por favor. No habla español. Tú encantado, ella encantada. Ah, ah. Sí, sí. Ah, maintenant. Eh, Filipe. Privado, mal. Auberge des Pèlerins de Montamartin, on a retrouvé Yves à nous. Bon, alors Jean-Pierre, il veut bien. Oh, voilà. Bon, c'est la postérité. Hein. Alors, et entre là, tu vas entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. D'accord. La Corée du Sud, parce que la Corée du Nord, c'est pas encore possible. Voilà l'auberge des Pèlerins, là, on est 20 dedans. Ce soir, c'est capacité maximum.